Bah bon. Allons-y, hein. Allez, Azazel, Avarice. Bah, Azazel, Avarice, c'est franchement pas, c'est pas franchement pas ce que je préfère. Hein. The Stars, pour aller dans l'item room, gratos, c'est bien. La tempérance, le Dot Peak, la maison Dieu, le Dot Peak, l'étoile. Je crois à mon étoile. J'aurais dû utiliser après. Oh, c'est pas grave, c'est pareil. J'aurais quand même pu optimiser les choses. Un peu mieux. Ouais, non. Comment je peux pas faire... Je peux pas sortir avec. Du coup. De cœur, tempérance, maison Dieu. Ouais, Gera, c'est très bien Gera quand même, mine de rien. C'est très très bien Gera. On va utiliser, on va essayer de pas ramasser de pièces. Puis ça va être cool. Pas de prédit ce soir, non. Non, j'ai pas envie. Je vais perdre du temps pas mal. Les runs sont déjà assez longues comme ça. Ah, le livre, il fait quoi le livre en effet? Je sais même pas. Ah, ça me met de la range? C'est intéressant ça par contre. Je savais pas. C'est une impression, mais... Allez, sors des pièces, toi! Allez, fais pas le con! Il me semblait le dernier, il donne pas de... Quoi ? Cœur.
Je vais tenter comme ça, sans aller voir. Est-ce une erreur? Je n'en sais rien. C'est un choix. En tout cas. J'ai pas pris grand chose dans ce premier étage en vrai. La ceinture, bah c'est bien. Ça, c'est des bombes. Plus 1 health up. Is 5 art. If Isaac has no bomb, one can be placed at the cost of half a heart. Isaac's bombs leave red creep. C'est-à-dire que je peux faire des bombes au prix d'une. Un cœur rouge. La mouche est bien. Ah bon? Chases and deflects enemy projectiles deals 15 contact damage par seconde. Elle est bien? Elle est forte? Elle est balèze? Bon bah elle est prise. Ça c'est pas si mal en vrai le Dreamcatcher. A7, ça vaut le coup. Enfin, un peu de... comment dire... Hein, vous savez quoi. Moi j'aime bien. C'est quoi? Plus 1 de damage, spawn the random rune. Oh, ouais, bon, allez, plus 1 de damage, tu m'as gagné à ce moment là. Hein. Et une rune Géra. Pardon. Mais c'est trop bon. Bon bah c'est cool. Ah. Casque qui me dit aïe. J'ai mal. Par contre, elle attaque quand la mouche jamais. Enfin, elle fait quoi? Comment elle marche? What the fuck? Faut se faire toucher? C'est une revenge fly ou... Ou alors c'est vraiment juste une orbitale hein. Ah, elle attaque les projectiles. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, elle fout des... Elle fout des patates. Mais bon, quand il n'y a pas de projectile, elle attaque rien du tout. Allez viens. Mouah.
eau bénite, c'est bien. T'as Spirit of the Night à côté? Enfin, c'était... non, pardon, pas Spirit of the Night. La range, la range. Ça, je sais pas si ça marche avec Azazel, en vrai. Oh, ça ira bien, hein. On a déjà fait un bon marché, hein. Oh, j'ai de la range, ça fait plaisir d'avoir de la range. Oh, c'est cool de pas avoir Endlock toutes les runes useless, j'avoue. Mais quel con! T'es connerie quoi. Quoi? Oh, le gars Fati m'a tellement mis en stress là. Y'a quoi dans les trucs? Ah bah y'avait du tears up, ça aurait été bien. Ah et puis y'avait ça en plus. Ok. Pourquoi pas. Bon après ça traverse pas le mur donc c'est un peu con mais... C'est-à-dire... Ça c'est cool. Ouais ça... Ça c'est du tears up hein, après mais... Oh je vais attendre de voir si c'est pas un truc mieux pas après non. Ouais si. On a la clé à 3. Prendre la clé à 3. Si bon, mon build est déjà fait, mais...
En vrai, je devrais même plus prendre d'objets, je devrais aller jusqu'au boss comme ça, et puis lui mettre un maximum de pièces dans la machine. Le build, il est quasiment prêt, là. Aïe. T'as vu qu'il te rouge toi, c'est lourd. Hein. Ah oui, mais en même temps, qu'est-ce que je m'emmerde en vrai. C'est vrai, pourquoi je m'emmerde? Bon, y a du taf, hein, mais ça marche, hein. Ah, cool. Bon, 37. La Sheol avec le range, c'est très bien. Vraiment une range, j'ai vraiment une range très confortable, on va dire. Oh là là, oh, j'ai tellement envie de le prendre. Mais où à Sheol? C'est-à-dire que derrière il reste quoi? Il reste deux étages encore derrière. Allez, je vais le prendre quand même. Ça sera le dernier objet que je prends. Ah, j'ai débloqué un truc. Ça va le coup. Pour me rassurer, je me dis que ça va le coup. Il y a au moins le magasin derrière. Ça c'est sûr, il y a peut-être qu'un objet, il y a peut-être qu'un étage derrière. L'Indien. Spécial hein, quand même la Psyfly. Faut se dire que les projectiles vont pas te toucher, hein. c'est pas évident. Hein. Thank you.
ça, j'en ai pas besoin. On va prendre ça. Hein. Le voile sacré. Ouais. Allez, nous sommes à la boutique. C'est juste pour rigoler, hein. Je regarde, mais... Je sais très bien que j'ai rien envie de prendre. J'ai juste envie de lui casser la gueule. J'ai juste envie de leur casser la gueule. Et voilà. Et à la rigueur... C'est décevant. Je me disais, c'est dommage de pas lui avoir exploité la gueule avec une bombe. Connasse, connasse, tu es une connasse. Patriarche de merde. Waouh. J'aurais dû ressortir et rentrer, j'aurais pu prendre une touche gratos. Ah, idiot. Idiot bête. £80, c'est ok, hein. Oui, la Curse Room était gratuite en théorie, évidemment. Mais vu que je fais n'importe quoi... Pas grave. Pièce.
Bah alors, tu bloques pas les pièces toi, tu bloques que les tirs. Ça va briller. Fait qu'on demande toujours plus. Lui énervé hein. Non j'ai tout fait pour hein. Waouh, où tu vas là? Le coupon? C'est rigolo. Toi, tout va bien. T'es bientôt mort. Voilà, je te l'avais dit. Débloque. Ah! Ah! Tout ça pour en arriver là? Kane a trouvé le trombone. Rien ne va plus niveau 2. Bon bah ok. Bon bah voilà. C'est toujours la même fin sur les green mode hein. Ouais c'est la même fin. Bon, bah ça s'est bien passé. Ça change un peu. Ça fait plaisir.